Maboul est un mot arabe qui signifie fou. Et c'est celui que choisirent les descendants des voyageurs et commerçants venus du Moyen-Orient pour cette île située à 30 km environ des côtes de Bornéo, dans la province de Sabah, Malaisie. Les Bajaos, c'étaient les peuples qui vivaient sur cette île auparavant. C'étaient des pêcheurs et des nomades des mers qui ne connaissaient que l'océan comme patrie. Ils sont toujours là. Et ils vivent au milieu de milliers de touristes venant du monde entier. A été investi depuis 20 ans par les resorts de luxe et des centres de plongée. Leur construction, installée sur pilotis, s'avance sur un plateau de corail à la manière des villages Bajaos. Elles aboutissent juste avant le bleu, sur un tombant de 45 mètres. Petite particularité étonnante, cette plateforme pétrolière fut installée aux abords de l'île en 1985, mais jamais utilisée ici pour des forages. C'est un entrepreneur amoureux de la nature qui en fit l'acquisition et la transforma en un hôtel, plateforme de plongée, unique au monde, disposant d'un ascenseur pour se rendre directement sous l'eau. Maboul est un paradis reconnu par les plongeurs et les apnéistes depuis des années. Sa spécialité ? Les petits animaux tels que les crustacés, les céphalopodes, les poissons-grenouilles et les calamars de toutes couleurs. Mais on peut aussi y voir des raies, des tortues et des requins. Comme toute île de forme ronde, Maboul ne possède pas de cap. Et c'est sur le tombant le plus exposé au grand large que le snorkeleur est susceptible d'y apercevoir la nature la plus sauvage et la plus surprenante. De bonnes palmes sont évidemment nécessaires pour pouvoir y accéder, mais les ressorts et centres de plongée possèdent tous des bateaux rapides, permettant de se faire déposer sur les sites les plus intéressants. Ici, le snorkeleur trouve toutes les sensations des mers tropicales. Couleurs chatoyantes, poissons colorés, crustacés et, comme toujours, raies et tortues énormes. Mais Maboul a une autre particularité. C'est l'île la plus proche de Sipadan, cet Himalaya mondial de la plongée scuba. Sipadan est un parc national naturel jalousement gardé et protégé par l'État malaisien dont l'entrée se fait sur liste d'attente et se paye un prix élevé. Un prix très, très élevé. C'est pourquoi nous préférons vous parler de Maboul. Libre à vous de passer une journée dans l'île voisine. Mais, juste pour vos yeux, voici ce que les plongeurs peuvent observer à 15 km de là. Kilomètres, ça n'est pas loin pour la faune marine. Alors, si vos moyens ou si la liste d'attente ne vous permettent pas d'accéder au Graal de la plongée, il vous restera Maboul, l'île Passifolle, où en 30 minutes de snorkeling à quelques mètres de la fosse, vous pourrez apercevoir autant de tortues et de poissons qu'en plusieurs mois dans certaines réserves marines reconnues.